Madame, demoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre 2023. C'est vraiment avec un grand plaisir et avec joie que je vous retrouve encore une fois de plus pour cette émission traditionnelle de Contact Pro Live. Je suis très ravi et je crois que nous allons passer de bons moments ensemble où je sais que peut-être, je vous l'annonce déjà, et je vous l'ai dit que peut-être cette émission, ou bien ceux qui m'ont lu dans le titre, cette émission peut-être ne plaira pas à beaucoup de gens, parce que ici je vais dire la vérité et je vais essayer un peu d'aborder des questions sensibles. Les questions sensibles, c'est quoi? Les questions sensibles, c'est la sécurité, les choses qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Il y a les Wazalendo, donc... Nous allons parler un peu de la question de Wazalendo. Nous allons parler de la question de la sécurité, comme je vous ai dit. Et je vais vous parler de la forme de négociation que moi, je pense que Kinshasa devrait entreprendre pour essayer un peu de d'escalader la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons parler des solutions que nous proposons pour cette réconciliation. Et puis, comment est-ce que nous pouvons arriver à faire une négociation générale qui aboutira, par exemple, à une certaine cohésion nationale et à un pacte de peuple congolais à se mettre ensemble et à travailler ensemble pour essayer un peu de remettre le pays, leur pays, notre pays, sur le rail de développement. Je vous rappelle ici que le développement ne peut pas venir sans paix, il ne peut pas y avoir un développement sans travail, il ne peut pas y avoir le développement sans nous concentrer sur nous-mêmes. Où est-ce que nous en sommes? Où nous devons reconnaître par où nous sommes aujourd'hui et par où nous voulons aller. Nous devons avoir des projets, une vision commune. Le peuple congolais ne peut pas penser que le développement viendra par la vision d'un homme. Non. C'est ça que je veux parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment est-ce que moi je perçois ce développement-là. Comment est-ce que le développement peut être entrepris par nous-mêmes Congolais. Comment est-ce que nous allons reconstruire notre pays comme nous chantons tous les jours dans notre hymne national. Lèvons-nous, battons, il faut bâtir le pays. Nous bâtirons notre pays plus beau qu'avant. Est-ce que nous le bâtirons dans l'insécurité? Est-ce que nous le bâtirons dans le désordre? Est-ce que nous le bâtirons dans tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en faisant un pont par-ci, par-là, en se targuant, en se disant que non, moi j'ai construit ceci? Tout ça, nous allons le développer dans cette émission d'aujourd'hui et je pense que vous n'allez pas regretter votre temps, même si certaines personnes seront choquées. Beaucoup de gens sont en train de me taxer des Rwandais, je supporte les M23, je vous préviens déjà, gardez vos ceintures et vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous allons aller sur ce point-là. Alors, avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis, nous reviendrons justement pour développer notre sujet, la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo et comment sortir de ce marasme de désordre et de guerre. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Lualaba, 5 morts dans l'explosion d'un camion-citerne. Et puis le porte-parole de Moïse Katumbi juge chaotique le processus électoral. Et puis finalement, Félix Tshisekedi aura son diplôme de l'UNIKIN. On va sur actualité.cd. Élection en RDC, le gouvernement répond aux critiques sur la publication des listes provisoires des électeurs par la CENI. Et puis, Journée internationale de la fille, Mireille Massangou appelle la population congolaise à soutenir les actions en faveur de la fille pour leur épanouissement. Ok, la EAC, la question est prise en charge par sur le plan diplomatique. Il est hors de question d'envisager une quelconque forme de violence contre la force régionale. Ça, c'est une réflexion du gouvernement.
Congo profond, Congo central, Pascal Moïloulou, nouveau DG de l'EACSE, l'agence de contrôle de surveillance et d'estampillage de la province du Congo central. Clôture de la cascade de formation de membres du bureau de vote et de dépouillement, ainsi que de membres des centres locaux de compilation des résultats. 7 sur 7, Sud Kivu, un cas confirmé de variole des singes enregistré à Bukavu. Mbosso, la patience, tolérance et l'humilité de Félix Tshisekedi ne pourraient être prises comme une faiblesse. On termine par Radio Okapi. Lualan Bakandrant étudiants apprennent l'anglais et l'informatique à Kamoa, centre d'excellence. Kinshasa échange entre Félix Tshisekedi et le général Brice Oligui Nguema. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc nous sommes là. En tout cas, c'est avec joie. Je sais que vous êtes nombreux à attendre cette, je vais dire. On va commencer par le premier point, qui est le premier point qui est crucial. Le premier point, c'est le problème de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Bien sûr, moi, je ne suis pas un militaire. Nous avions suivi ici les discours de John Numbi, cette petite vidéo de 9 minutes, qui l'a expliqué ce qui se passait en République démocratique du Congo. Et moi, je vous dis d'entrée que je ne suis pas sur ce point-là. Ça ne nous développera jamais avec les pensées des gens qui pensent que ce sont eux qui détiennent le pouvoir et qu'ils peuvent le donner à n'importe qui. Moi, je ne suis pas de cette trempe-là. Moi, je suis, en tout cas, sur toute la ligne de cette vidéo, quand j'analyse, quand j'essaie un peu de me regarder, je me pose la question, qu'est-ce qu'il voulait dire? Est-ce qu'il est en train de menacer les gens? Est-ce qu'il est en train de faire une pression pour que le peuple congolais ait gain de cause? Moi, je ne pense pas. En tout cas, dans son discours, je n'ai vu que quelqu'un, un aigri, quelqu'un qui est mal placé, qui ne veut pas à ce que le développement du Congo soit effectif. En tout cas, sur ce point-là, mettons-nous d'accord. Parce que beaucoup de gens m'ont appelé en me disant « Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est le début de la révolution? Est-ce que c'est le début du chambardement que vous êtes en train de prôner à Contact Pro Live? Que non, on peut prendre le pouvoir par la force? » Niet, moi je ne suis pas là. Nous sommes déjà au 21e siècle où nous devons apprendre à nous prendre en charge. Et ce n'est pas quelqu'un qui viendra nous prendre en charge, c'est nous les Congolais qui donnera le pouvoir à qui nous pensons qu'il peut nous conduire sur le plan du développement. Donc sur ça, nous allons clôturer ce point-là. Mon point de vue, que je ne suis pas de ceux-là qui pensent que le pouvoir doit être maintenu par une caste de gens ou bien un groupe de gens qui vont commencer à nous diriger. Et cela, je vais vous le dire dans les discours des autres présidents aussi, qui vous promet « Oh non, ngana kosale labino boe, ngande na koe labino misala, ngande na kosale boe. » Non, moi je ne pense pas que c'est ça sur cette voie-là que nous sommes. Alors, prenons un peu le sujet brûlant. Vous êtes nombreux à avoir vu des vidéos de Wazalendo, nos enfants qui se battent. Ils se disent qu'ils veulent récupérer leur terre. Ils sont en train de se battre jusqu'au sang pour chasser l'ennemi de la République démocratique du Congo qui nous attaque à l'est de la République démocratique du Congo. Et ici maintenant, mes chers amis, je vais vous demander, je vais vous poser la question et je vais vous laisser sur cette question-là, à vous de répondre. Qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo? Est-ce que ce sont nos voisins? Est-ce que c'est de la communauté internationale? Ou bien c'est nous-mêmes? Et là, je vais vous expliquer. Le phénomène Wazalendo à l'est de la République démocratique du Congo, moi, je pense que ça, c'est une forme d'expression de la population. Lorsque nous disons Wazalendo, c'est-à-dire les patriotes. Les patriotes, ce sont les gens qui se battent pour leur pays. Ce sont les gens qui se sont dit, nous allons ne pas nous laisser faire. Nous allons conquérir, nous allons nous imposer sur nos terres, nous allons récupérer et chasser l'ennemi. Et c'est là où je vous dis que peut-être que nous sommes en train de taper à côté.
parce que de l'autre côté, nous sommes en train de nous entretuer justement. Les gens qui meurent là-bas, ce ne sont pas les Rwandais, ce ne sont pas les Ougandais, mais ce sont le peuple congolais. Nous sommes en train de nous entretuer. C'est-à-dire que moi, je pense que nous avons tapé à côté. Et ce qui nous met sur cette piste-là, ce sont les gens qui sont à la tête de notre pays. Ce sont ceux-là, aujourd'hui, que moi je pense qu'ils ont commis une grosse erreur en ne réfléchissant pas. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas négocier avec les M23? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas prendre en compte ce qui est en train de se passer à l'est de la République démocratique du Congo et de se mettre sur table, nous les Congolais, en se disant quelle est la solution que nous devons appliquer? Je n'ai pas dit, et moi j'ai toujours condamné à dire que non, nous, le gouvernement devrait aller causer avec les groupes armés, pendant que nous sommes encore en train d'entretenir ce même groupe armé. Et donc, nous sommes en train de nous entretuer, nous sommes en train de nous contredire nous-mêmes. Je dis que le gouvernement est en train de se contredire en disant que non, bon, ok, regardez vous-même, les Ouazalendo ont récupéré telle place, les Ouazalendo sont en train de se battre très bien sur le terrain, ils sont en train de se comporter très bien sur le terrain en récupérant la place. Nous nous posons la question. Combien de groupes armés nous avons? Vous êtes sans le savoir que la MONUSCO avait totalisé à peu près les 150 groupes armés. Et on a même diminué ces groupes armés. C'était au niveau de 120 groupes armés. Est-ce que ces 120 groupes armés, lorsqu'ils se sont retrouvés à Nairobi pour essayer un peu de trouver une solution, avons-nous eu des solutions en causant avec les groupes armés? Et moi, je pense que c'est là où le gouvernement a commis une grosse erreur en disant que non, nous allons parler avec ces groupes armés. Non! Vous devriez faire quelque chose qui devrait inclure tout le peuple congolais. C'est là où nous sommes en train de taper à côté. En disant que non, bon, ok, bato, batombo ki, bo benga bango, awa to sololana bango, comme ça, to apaiser ba makambwana. Et souka kindengenin. On n'a pas trouvé de solution. Mes chers amis, on n'a pas trouvé de solution. Alors, qu'est-ce que moi je propose sur le point de Ouazalendo? Parce que aujourd'hui, moi j'ai comme l'impression, et je vous l'ai dit, que peut-être le gouvernement de Kinshasa a été conseillé par le Burundais. Pourquoi? Parce que c'est la même technique que les Burundais ont fait pour justement essayer un peu d'avoir la paix chez eux. Les forces loyalistes, les forces gouvernementales se sont conformées aux accords de la communauté internationale. Pendant ce temps, ils ont financé les groupes armés pour essayer un peu de faire la pression. C'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre et finalement, ils ont et moi, je crois que c'est cette méthode-là qu'a été conseillé à Kinshasa que non. Kinshasa, nous allons vous aider à terminer cette histoire-là de M23. Est-ce que c'est seulement le problème de M23 qui se pose en République démocratique du Congo? Même si aujourd'hui les Ouazalendo conquérissaient, reprenaient Bunagana, le problème restera intact. Et moi, je vous le dis, parce que nous créons un monstre. Nous sommes en train de créer un monstre que nous ne serons pas gérés. Et c'est là le grand problème. Au lieu de s'enfoncer dans cette grosse erreur, moi je pense que le gouvernement congolais devrait se ressaisir en disant où est-ce que nous pouvons terminer cette guerre et terminer le problème le plus basique du problème, la base de tous ces problèmes. Attaquons-nous au problème de la base. Et c'est cette base-là que moi j'ai dit, le problème principal de la République démocratique du Congo, c'est l'identité. Parmi les Ouazalendo là, regardez, boyo kataba vidéo obango baza koloba. Vous allez entendre qu'il y a des gens qui ont de l'expression rwandaise. Des groupes se fondent maintenant à l'est de la République démocratique du Congo. Kope komi kozala kuna, kope Ouazalendo. To formez moi groupe nabiso to loba ketoza Ouazalendo et puis directement, le gouvernement central va commencer à nous donner des munitions, bakobanda kotpe sabiso mwambongo, poto combattre nani, to combattre M23. Est-ce que c'est seulement le M23? Nous avons les Codeco en Ituri, nous avons les Mobondo à vers Kinshasa, ici à Obandundu. Il y a l'insécurité au Katanga, il y a l'insécurité à Kinshasa, il y a l'insécurité au Bas-Ouélé, tout ça. Partout, il y a de l'insécurité. Et comment nous allons les terminer? Est-ce que c'est avec les Ouazalendo? Les Ouazalendo, même aujourd'hui, sont s'ils vont conquérir, vont parvenir à conquérir
Bounagana. Maintenant, le problème va se poser. Comment nous allons gérer le problème du pays? Le problème restera intact. C'est comme ça que j'ai dit, même si aujourd'hui nous félicitons Wazalendo, nous allons le prendre, nous allons le soutenir. En tout cas, Wazalendo, garçon, tout le monde a pigé dans Mouzouri, tout va supporter. Le problème restera intact. Le problème ne sera pas résolu. C'est là où j'ai dit que nous sommes en train de commettre des gaffes inutiles en essayant de copier une solution qui a marché au Burundi et qu'aujourd'hui nous voulons l'appliquer en République démocratique du Congo. La question est à Koloba Keno, Zalendoana Bauti Wap. Rappelez-vous que le gouvernement congolais avait demandé à ce que tous ces mouvements Wazalendo est à la stopper en se conformant à la communauté internationale, au conseil de la communauté internationale. Finalement, nous ne savons pas exactement où est-ce que le gouvernement congolais est allé wapi, est allé wapi na solution nini. Et ça n'a quoi réarmer force donc faire de ça pour que le gouvernement s'impose que non, c'est moi le gouvernement ici, moi je vais m'imposer par la force et puis je vais récupérer tout ça. Ça pourrait être une bonne solution, mais ils ont laissé ça. Bafar de se bazongi sima, batindiki bazalendo, bien sûr que dans Nakatia bazalendo, il y a aussi les phares de ceux qui sont là-dedans. Parce que nous les voyons, ils s'habillent en tenue militaire, phares de se avec des drapeaux sur les épaules, des drapeaux de la République démocratique du Congo. Donc, Ngana Zakolo Babo, et Nalobi ke Ezali passe, parce que Nzela Otozui, pour la Corée armée Bazalendo, Basili Salikambo à M23, Ezali solution, il y a qu'on trouve solution, il y a sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Eza solution, Ezali kaka que nous sommes en train de nous embrouiller. Parce que nous ne voulons pas une solution globale de la République démocratique du Congo. La solution doit être globale. Et c'est là que moi j'appelle à tout ce beau monde-là qui viennent avec peut-être Tokoyoka Makamuna Bango lorsque le président va autozokende na ba élection, tango ba kobanda ko expliquer comment est-ce qu'ils vont terminer l'histoire de Bazalendo. Mais ici, moi je vous préviens que Likambwea est pour ici là, nous devons aller à la racine. Nous devons aller trouver une solution globale. Et c'est par là que le gouvernement congolais peut se dire que non. Bino batuo bosimba mandoki na est la République démocratique du Congo. Bon, kitisa mandoki, tout ça là, état de lieu à chaque territoire pour que nous puissions donner la parole. Remarquez une chose. Wazalendo bazoya basali ba meeting que non biso toza wazalendo biso nde mtu tokangi mboka oyo tout ça et puis vous allez voir que le gouvernement maintenant vient que non ils ont ko installer police ce n'est pas ça l'autorité de l'État. Entre-temps la population sur place n'a pas de parole bazota la bango boy. Bazota la bango boy. Jour ce qui est M23 kobeta wazalendo wana et okoma lisusu que non ba M23 basali massacre. Nous sommes en train de tourner tout autour du pont. Le gouvernement a fait un grand massacre à Goma. Massacre, il y a plus de 90 personnes au Bakoufa qui na Goma. Et c'est là qui va aller. Vous voyez comment est-ce que notre gouvernement central est en train de se contredire. Excusez-moi le terme, mais c'est comme ça que je vous ai dit que Kinshasa, jusque-là, n'a pas une politique qu'il peut appliquer pour terminer la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Ils sont en train de divaguer. Parfois, il y a une communauté internationale, parfois, M23T. C'est comme ça que moi je me suis dit, le schéma que nous devons adopter, c'est quoi? Il faut que tous allons à plan moko, ou que tous allons à plan moko général. Et les problèmes qui se posent en République démocratique du Congo, c'est le problème identitaire. Pour que on doit reconnaître l'identité de chaque Congolais, on doit donner une carte d'identité à chaque Congolais. Nous devons mettre les mécanismes en place où les gens vont d'abord se parler. C'est comme ça que moi je me suis dit, la solution que nous devons appliquer ici, c'est l'appel aux états de lieu de chaque territoire. Chaque territoire, banana, il y a territoire, wana, réorganisons les politiciens qui sont dans le Sénat, dans l'Assemblée nationale, d'aller causer, d'aller refonder le Congo. Pas refonder comme Deli Sessang est en train de dire, mais d'aller chercher une nouvelle constitution qui va tous nous régir. Et pour avoir tout ça, il faut qu'à Mobayi Mbongo, les Congolais puissent se parler en Équateur. Il faut qu'au bas Congo, les gens se parlent pour qu'ils puissent être ensemble en se disant, voici.
touti musika. Tozwa profil en kitana bisote. Tozwa carte d'identité. Il faut que nous puissions nous identifier ici pour que chacun puisse savoir qui fait quoi dans sa territoire, qui n'a ni azo sala nini, ma kambunini ango to sala tozalaka. Ah, c'est cela où nous allons avoir l'opportunité de redynamiser l'État. Il faut batouba solo là. Alors, biloko tozobazako lobake non, est-ce que ma solo ana ekosili sa guerre na est? Oui, ekosili sa guerre na est parce que les gens qui se battent là-bas sont en train d'exprimer une certaine mécontentement de la gestion de notre pays. Il faut leur donner cette opportunité à Kolobakeno. Bon, voici l'opportunité pour que bo vanda bo solola. Ba to ba simba mandoki bo vanda nanu. Bo ya to solola to bandela mboka oyo à zéro. Et rappelez-vous, j'avais conseillé déjà le président Félix en 2020 en lui disant « Pardon Félix, to bandela à zéro ». Moi, je ne suis pas contre Félix, mais la méthode dont Félix Azakoyo que la oyo ayo ki tantôt koto oyo ba meki solution koto ba meki justement pour essayer un peu de ba retenir pouvoir wana. Pouvoir wana za pouvoir à peuple. Donner l'opportunité au peuple de s'exprimer. Et la façon dont nous pensons que le peuple doit s'exprimer, c'est dans les états de lieu de chaque territoire. Batuna batu place bango bazali tokende ko solola to remettre mboka na biso sur les rails. À ce moment-là, batu o bazaneti par exemple na tolo bana na territoire à Rutshuru ou bien na territoire à Nyiragongo. Les politiciens de Rutshuru se connaissent. Les politiciens de Nyiragongo se connaissent. Batuana, rappelez-vous que ba député provincial et à Nord Kivu, ba sengaka président de la République balobi ati que la bango ba kende kosala masolo na M23. C'est par là où nous allons tacler le problème à la source. Le problème, c'est le problème identitaire que Batouba se reconnaître. Batouba yé bake no awa, moutou o yaza moutou ya Masisi, moutou o yaza moutou ya Soki ya Rumangabo, moutou o abotama awa. Nous devons mettre ça, nous devons mettre toutes ces communautés-là de base ensemble en se disant, bo kende kosolo la, bo produire biso, batou nini ango ba vanda kakote panabino. Il y a moyen de le faire parce que nous avions réfléchi et batou, on nous a dit que nous avons un moyen, il y a un texte que nous nous sommes dit, il y a un canevas, il y a un mécanisme que nous sommes dit. Ce qui est un mécanisme, tu appliques en gros dans Mbandaka, tu appliques en gros dans Boende, tu appliques en gros dans Norubangi, tu appliques en gros dans Bandundu. Les gens vont se mettre en se disant, ok, voici la solution globale que nous devons faire. Et batunyo surtout balandi solution ana ekopé sa autorité parce que c'est masolo ana ekotia batunyo so en confiance à kondi ya koloba keno ki moyibi awa n'est pas na biso ezate. Alors toko choisir eloko moko oyo ekorégir biso mutu soki ayibi awa mutu soki asali boye. Voici comment nous allons nous guider et ces solutions là devront être élevées au niveau des provinces. Ba politicien oyo bazako solo la na bato bato ya nani ya société civile, tout le peuple réuni dans les états de lieu de chaque territoire, bakotinda batu na texte oyo ya koloba keno biso a to décider boye. Ça sera sur la décision de la gouvernance, de la gestion du pays et de la gestion même du peuple congolais. Parce que lokwana stangu toko signer ango biso nyoso tout et kobota nouvelle classe politique. Parce que, pourquoi je dis ça? Dans les territoires, ce qui se passe dans les territoires, les gens se connaissent très bien. Bah, tu as Kwilu, bah, tu as Kwango, bah, politicien à Kwango, bah, politicien Soki ya Masimanimba, bah, politicien ya Kasumbalesa, bah, politicien ya Kalemi, bah, yebani, bangonyoso. Si on faut les mettre ensemble en se disant, réfléchissez pour une bonne marche de votre contre. Parce que le pays, si nous les arracherons au peuple congolais, bah, ndenge bazako sala botozo keneneti na kote ya Rutshuru, kuna bien à Masisi. C'est comme si nous voulons arracher ce pouvoir-là au peuple. Batouana ba simbi mando ki balingi ba imposer pouvoir moko qui est totalement différent. Ba politiciens, les gens qui réfléchissent ont fui. Or, ce qui te lobby, bon, voici la directive. Alors, moutounyo surtout, et je suis très très content parce que moukwege a répondu ki na compatriote moko oyo a zokomi benga mounyamulenge a répondu à la question, est-ce que vous êtes congolais?
pour poser la question à Banyamulenge. Le problème de Banyamulenge ne devra pas être résolu à Kinshasa ou bien à Mbandaka ou bien à Nairobi. Non. Le problème de Banyamulenge devrait se résoudre à Mulenge. Quand il faut pas résoudre le problème, oh, yoza Munyamulenge, yoza Rwanda, yoza. Et vous allez voir, et l'étranger qui est chez nous va fuir. Parce que même à Tato Lobepa, Banande. Banande bazana Uganda, Banande bazana na Congo. Mais les Banande se connaissent entre eux. Toye banaka tolobaka, ah oh mutoyo, azam munande ya nani ya Uganda. Oh azam munande ya Congolais. Et donc le problème de tous ces ethnies et tout ça, ça devrait se régler localement par le peuple lui-même. Et c'est ainsi parce que je vais vous dire une chose, Bandeko. Le peuple congolais ne s'est jamais dissocié du Congo, jamais. Azala Wapi, Azala Sud, Azala Nord, tout le monde se réclame congolais. Mais c'est la nation congolaise, wana, ne faut qu'au fonder. Et c'est là le grand problème. C'est comme ça que nous nous sommes dit, la solution que nous devons mettre ensemble, c'est celui-là. Appeler d'abord les états de lieu de chaque territoire. Batuna katia ba territoire, ba vanda, ba communauté de base vanda et sosola. Et tia lobby, bison à niveau oyo. Responsabilité na biso kozala boy. Responsabilité à province kozala boy. Responsabilité à gouvernement central kozala boy. Ainsi de suite, nous allons faire parler les Congolais en même temps. Et là, quand on est sale maté, que non, on est sale, on est sale, on sale, état de lié na territoire. Non. Parce que le peuple, nous devons lui donner, nous devons lui mettre devant ses propres responsabilités. Ya koloba. Ce qui. Mando keza ko beta ma oyo a epanabino, c'est-à-dire que vous, s'il y a un pont qui a coulé, vous êtes les responsables de là. C'est question de responsabilité et de se connaître. Ainsi donc, ba résultat oyo biso to banzi ke ko ko uta na ba état de liwana ezalini. Draft moko ya constitution. Ya koloba biso toza ba congolais, voici ce que nous avions déploré pendant 60 ans dans kati ya constitution o eza ko sala ya biso. Biso to moni ke no pour que tu vendes bien, pour que tu vendes Kimia, voici ce que nous proposons, une nouvelle constitution. Et chaque territoire va commencer à proposer le draft, ou bien quoi, agréer draft, moko oye qu'on allait discuter, na batu oyo, bako outa na territoire, bako kende na province, pour ba harmoniser ba texte, bien sûr, aidé par maintenant les juristes et tous ces bons mondes-là. C'est comme ça que nous devons passer même au niveau national que les 26 provinces, na ba province nyoso, batu nyoso ba discuter sur une nouvelle constitution qui devra être rédigée et me soumise à un référendum. C'est par là. Tant que tozo kende na niveau à province, na ba état de lieu kuna recensement na identification à Congolais ezako salema. Et que ces identifications-là devraient avoir lieu en même temps sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Toyo kende na makambo nenge nanga sala kite ke oh non, identifions les électeurs. Non, ça c'est continuer avec la façon dont le Belge nous a laissé. Parce que le Belge. A tika kabiso na dislocation et kozala ba peuple mususu ba kozala laisser à côté et c'est par là que né que za kobota ba frustration na ba guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Donc si nous pouvons aujourd'hui nous concentrer sur pour résoudre l'identification des Congolais qui est le problème le plus crucial, to kozala déjà toza na bon na bon chemin. Tokozala déjà toujours qu'on est en direction à Malamu. Si tous les Congolais savent comment obtenir une carte d'identité et le processus pour avoir cette carte d'identité et que nous pouvons protéger cette nation-là, il y a Batounion surtout, si nous allons considérer par les tribus, si nous allons considérer ces questions de choix, mais que cette processus puisse être accepté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Okenda ke pa chef à groupement nabino, ozwaka mukanda e pa ya police, ozwaka adresse na yo, tout ça tu vas t'enregistrer et batukuna na batu auto choisissa ki musala wana okomona musala l'état e kobanda ko salema. Ça va commencer à aller. Et dans les états de lieu, avant d'oublier, il y aura beaucoup de thématiques et dont l'identification et la population. Oh, il faut banda. En même temps que le peuple congolais, après peut-être lorsque les états de lieu, comité, on a état de lieu, territoire, et ça déjà en place. C'est dès lors que nous pouvons commencer à dire que bon, ok, maintenant,
thématique à identification. Qui va s'en occuper? Batouni n'ango bakozala obnani, bakozala capable ya kosala opération à identification à population. Nakati ya ba territoire. Lorsque nous aurons terminé ça, pendant ce temps-là, et loko oyo ya kosolo la constitution asika, et ko banda kozala discuter wapi na province. Batou bakosala ba harmonisation à texte. Et là, vous allez voir, nous n'allons pas envoyer des têtes vides à la province pour aller discuter les textes qui vont nous régir. Et de là, et zaneti kaingi, toza kolongo la ba mauvaise graine, ba kokite ko salem. Parce qu'il faudrait ici reconstruire le Congo. Il faudrait rétablir l'autorité de l'État. Alors, comme aujourd'hui, voilà, nous sommes pratiquement à Tanabiso et Zako. Je vais vous parler maintenant, dans la prochaine émission, Nakoye Bisabino et Lokonini, comment est-ce que les groupes armés wana et Kozala diluent Nakati à processus wana yaba état de lieu. Et là, vous allez voir, nous aurons un plan, je vous parlerai le plan de la formation de l'appareil sécuritaire. Appareil sécuritaire n'engeni ne koki kozala formé, c'est-à-dire les forces armées congolaises, FARDC Asika, comment est-ce que les entrées dans ces forces armées, comment nous allons les constituer, la police, l'appareil de sécurité, les DGM, tout ça devra être discuté au niveau de la base et il y aura un processus qu'on devra suivre. Je vais vous expliquer dans un prochain numéro. Donc aujourd'hui, souffrez que nous arrêtions ici, mais je sais que Batumsus Bazako Kanisakeno, Nanaza Kolob. Li solo o Batu Bazana na Katia Nania, ya M23, Balingi ba solo lana gouvernement Kinshasa, pour le partage de pouvoir tout simplement. Bazako wele la, ba partager pouvoir na Kinshasa. Bazao linga ba kotape bango, basala. Nous allons retourner à la case du départ. Et moi, c'est par là où je félicite. Je me dis que l'option que le président de la République a pris de ne pas causer avec les M23, c'était une bonne option. Togo solo na ba M23, mais il faut que tout luka solution. Il faut tout luka moyen mususu ya kokontre. C'est comme ça qu'il faut utiliser la tête. Toki ko banda kolobate que no togo solo na bangote pendant que nous n'avons pas d'autres alternatives. Ya kokomi sabatouana na batable. Ils vont, pour être président de la République, nous devons avoir des processus. Nous ne pouvons pas aller comme nous sommes en train de faire comme ça, élection, pendant que nous faisons des choses pas civilisées en tout cas. Donc là, je m'arrête là, en espérant que vous aviez compris l'idée que je suis en train de lancer ici, et espérant que vous y adhérez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, et que vous voulez entendre, et que vous voulez suivre l'évolution de cette solution que nous proposons, abonnez-vous sur cette chaîne. Partagez les émissions pour que beaucoup de personnes adhèrent et qu'on puisse avoir visibilité dans la vidéo pour que l'idée soit dans le bateau et le bateau. Même pendant le bateau, il y a un projet à la société, il peut s'inspirer de ça et que ça sera pour le bénéfice de la République démocratique du Congo. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui, espérant que je vais avoir beaucoup encore de feedback pour vous. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas de laisser un petit like. On se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.